En 1970, la Cour suprême tranche en faveur d'Ali. Il a le droit de refuser le service militaire et surtout, il peut à nouveau exercer la boxe. On lui redonne sa licence. Il a devant lui un énorme défi. La division des lourds a vu se pointer des boxeurs redoutables durant son absence. Il reprend l'entraînement après plus de 3 ans d'inactivité. Pourra-t-il revenir au sommet? Plusieurs dans le milieu de la boxe en doutent. Le 26 octobre 1970, après 3 ans et demi d'absence, c'est le grand retour pour Ali, qui liquide en 3 rondes Jerry Quarry. Le million de dollars qu'il reçoit va lui permettre de régler ses problèmes financiers. En fin d'année, le 7 décembre, c'est un combat de 15 rondes contre Oscar Bonavena, qui est un boxeur résistant, qui avait tenu la distance contre le champion actuel Joe Frazier. Ali l'envoya au tapis 3 fois durant le dernier round. La confiance ne quitte pas Ali, qui semble encore capable de cogner dur. L'objectif d'Ali est le champion Joe Frazier, un boxeur solide, avec un crochet du gauche qui peut envoyer son adversaire au pays des rêves en moins de 2. Le défi est énorme. Ali va le rencontrer le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York dans un combat qui suscite une attention monstre. On ne parle que de ce combat, surnommé le combat du siècle. Les proches d'Ali n'étaient pas très chauds de le voir se mesurer si tôt à un boxeur dangereux comme Frazier. Il n'avait que 2 combats depuis son retour. On lui conseillait la patience en accumulant d'autres combats. Question de reprendre une forme de combat maximale et retrouver tous ses moyens. Le risque était immense pour Ali, qui ne voulait pas reculer. Il se croyait tout à fait légitime de défier Frazier. Les semaines précédant le combat verront une guerre de mots entre les deux hommes. Ali se permettant même de blesser Frazier en l'appelant « Oncle Tom ». Durant plusieurs années, Frazier aura une haine tenace envers Ali pour ses paroles. Ali, répétant qu'il est le plus grand et qu'il va reconquérir ses titres. Mais pour la première fois de sa carrière, les choses ne se passeront pas exactement de la façon qu'Ali l'avait prédite. Ce combat remplit pleinement ses promesses. Un dur combat qui va durer pendant 15 rondes. Ali commence le combat de la bonne façon en remportant les 3 premières rondes. Puis, peu à peu, Frazier va l'ennuyer. Ali est incapable de s'éloigner de Frazier, qui lui impose un combat corps à corps. Frazier est dans son élément et parvient à ennuyer fortement Ali par moment. Aussitôt que le 6e round, Ali semble en perte d'énergie. Il ne répond pas toujours aux longs échanges avec Frazier. Il semble que l'entourage avait des craintes tout à fait fondées. Le combat contre Frazier arrivait peut-être trop tôt pour Ali. Le combat est enragé. Ali tient bon, mais on sent qu'il est réellement en danger. Son rêve de reprendre ses ceintures est menacé. Il a un adversaire coriace devant lui. Un adversaire qu'il a lui-même motivé avec ses insultes. Au 11e round, Ali est touché solidement. Il recule jusque dans les cordes. L'heure est grave.
Il est tard dans le combat et il est visiblement en arrière. Le 15e round sera l'un des rounds les plus survoltés de l'histoire. Pour la deuxième fois de toute sa carrière, Ali est surpris par un crochet du gauche qui l'envoie au tapis pour le compte de 4. Ali se relève, mais subira de solides coups de la part de Frazier. L'issue est inévitable. Frazier conserve ses titres avec une éclatante victoire par décision unanime. Arthur McCanny has them touch gloves, something they've been doing all night. Now, Muhammad Ali's gonna go boxing again. And Frazier gets in to nullify that attack. Step back, says the referee. Time is important here. Smartly goes for the body when Muhammad Ali covers up. 2 minutes to go in the fight. 2 minutes. The crowd, needless to say, is in a bedlam. If Joe had followed that up, he would have finished it. Muhammad Ali has never taken such a battering. Frazier is just pot-shotting him now. One minute left. Look for a last-minute flurry by Muhammad Ali. Less than a minute to go. Muhammad Ali gamely fights back. And Ali again makes the clinch. Remember, the scoring is on a rounds basis. Frazier is tired, and his eyes are closing. Half a minute to go. Frazier has won the big rounds, the 11th and the 15th, at least up to now. Frazier has the man in the corner. 10 seconds. 5 seconds. We'll have an interview with the winner and maybe with the loser. There it is. Ladies and gentlemen, here comes the decision. Johnny Addy. Referee Arthur McCanty scores it 8-6, one even for Frazier. One vote for Joe Frazier. Addy Idala, 9-6 for Frazier. Frazier is the winner. Frazier is the winner. Correct. 11 rounds for Frazier, 4 Larry. Joe Frazier, for the first time in his career, Muhammad Ali was beaten. Ce combat fut tellement difficile et violent que les deux hommes ont été hospitalisés un certain temps dans un hôpital. Ali, fidèle à lui-même,
affirma que Frazier avait passé beaucoup plus de temps que lui à l'hôpital, tellement il était mal en point. Pour la première fois de sa carrière, Mohamed Ali perd un combat. Une remise en question va être nécessaire. Est-il revenu trop tôt contre un boxeur du calibre de Frazier? Avait-il la résistance pour un tel combat? Est-il en mesure de remporter à nouveau un combat de championnat? Les espoirs de reprendre ses titres sont minces. La route semble longue pour Ali. L'heure est au grand questionnement. Deux combats officiels et divers combats d'exhibition n'avaient pas été suffisants pour une bonne préparation vis-à-vis un cogneur redoutable comme Joe Frazier. Dorénavant, Ali devra s'atteler résolument à la tâche et gravir les échelons un par un. Ali terminera l'année avec 3 combats contre Jimmy Ellis en juillet, puis en novembre contre Buster Mathis et finalement en décembre contre Jorgen Blin. Il est très actif avec 6 combats en 1972 en plus de combats d'exhibition. Ali teste son endurance, il est patient. Il n'a plus la force de frappe d'antan, mais avec sa technique hors pair lui permettant d'esquiver les coups de l'adversaire, il parvient à gagner ses combats contre de bons boxeurs. En début d'année 1973, Ali est détenteur d'une fiche de 40 victoires en 41 combats. Il espère toujours revenir au sommet, mais les choses vont se compliquer à 2 reprises. L'objectif suprême est d'avoir une revanche contre Joe Frazier, le champion des poids lourds. Mais le 22 janvier 1973, à Kingston en Jamaïque, Joe Frazier met son titre en jeu contre George Foreman, un solide gaillard, une montagne de muscles, avec un direct du droit foudroyant. On s'attend à un excellent combat. Dès le premier round, Frazier est atteint solidement par Foreman, qui l'expédie 3 fois au plancher devant un public complètement décontenancé. Foreman est beaucoup plus grand que Frazier. Il le tient à distance et peut l'atteindre à volonté. Frazier, de son côté, ne parvient en aucune façon à porter des coups au grand colosse. Sa portée est beaucoup trop courte et il ne parvient pas à s'approcher de Foreman. Avec tout son courage, Frazier se présente pour un deuxième round qui va être terrible. Foreman le massacre et l'envoie 3 autres fois au tapis. Joe Frazier, le seul homme qui est parvenu à vaincre le grand Mohamed Ali, vient de se faire humilier en visitant le tapis 6 fois en 2 rondes. Le monde de la boxe vient de faire la connaissance de George Foreman, invaincu, qui assomme ses adversaires en moins de 5 rondes. Il y a maintenant un adversaire encore plus redoutable sur la route de Mohamed Ali, qui observe ce combat. There's another left by George. He's getting into Frazier's head. We'll find out tonight how much the Ali fight took out of Frazier, if anything. And we'll find out tonight just how good George Foreman is in punching and in taking a punch. I think he hurt Joe Frazier. I think Joe is hurt. Angie Dundee, Ali's trainer right next to me, is saying it. You may hear him. Down goes Frazier! Down goes Frazier! The heavyweight champion is taking the mandatory 8 count, and Foreman is as poised as can be in a neutral corner.
He is as poised as can be. We have a minute left in this first round, and already this fight is proving out what some have expected. Oh, that left is getting in there. Underneath, Archie Moore is yelling the foreman. We've got the excitement here that we look for. Frazier is dazed. He is getting hit again and again and again. The same head that was hit so often by Muhammad Ali. Frazier is dazed. You see the countdown for the first round. Foreman has not panicked. Foreman is going about his job. Foreman is all over Joe Frazier. Frazier is down again, and he may be. No, he is rising. He is game. He doesn't know where he is. The mandatory 8 count. He doesn't know where he is. Now the round is about to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down again. No saving by the bell. He's up, and so the fight continues. 3 knockdowns in the... Oh, he is all over Frazier again. He has Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down. He is down for the 4th time in the fight. George Foreman is doing to Joe Frazier what he did as a 19-year-old to a veteran Russian, a fellow named Ioannis Shapoulin, in October of 1968 in the Mexico City Arena. A quick left from George. Another. Frazier is down for the 5th time in this fight. 5th time. 3 times in the first round, twice in the second. McCanny checked his senses. Check Frazier's senses. Right. It's target practice for George Foreman. It is target practice. Frazier is ready to go again. Joe is standing. There he goes. 3 times. 3 times. The fight is stopped. No, it is not. It is not stopped. Angie Dundee is screaming, stop it. Ferdy Pacheco, Ali's doctor next to me. It is over. It is over. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world. Ali n'est pas au bout de ses peines. Le 31 mars, il affronte Ken Norton, un autre boxeur redoutable. On s'attend tout de même à une victoire de Mohamed Ali. Contre toute attente, il se fait fracturer la mâchoire dès le 2e round. Ali parviendra à négocier les 12 rounds malgré la douleur, mais il perdra ce combat par décision partagée. Ali a maintenant une montagne à gravir pour espérer revenir au sommet. Il doit battre Joe Frazier, puis Ken Norton, avant d'espérer affronter George Foreman. Le 10 septembre 1973, Ali se frotte de nouveau à Ken Norton. Le combat est dur, mais Ali parvient à éviter le piège du premier combat. Il parvient à battre Norton, mais difficilement au point. Son premier obstacle est maintenant derrière lui. Ali a toujours eu du mal à contrer Joe Frazier. Malgré une plus grande allonge, Ali n'est jamais parvenu à repousser Frazier comme Foreman avait pu le faire. Un combat revanche a lieu le 28 janvier 1974. Ali, cette fois, tient la distance. Il est beaucoup plus résistant que lors du premier combat contre Frazier. Il évite les corps à corps et parvient à gagner au point. Son deuxième obstacle est maintenant réglé. Mais le plus dur reste à accomplir. Le terrifiant George Foreman est roi et maître des poids lourds. Il détruit tout sur son passage. Le 25 mars 1974 au Venezuela aura lieu un autre combat qui pourrait faire réfléchir Mohamed Ali. Ken Norton affronte George Foreman pour le titre des poids lourds. Comme Joe Frazier, Norton se fait détruire en moins de 2 rounds par George Foreman.
wild left hand over the head of George Foreman. Foreman slightly heavier, about 7 or 8 pounds heavier. Foreman showing the concentration. Vicious left hook was over the head of the champion. Foreman taken on the face and a right hand to the kidney. That's a punch you've got to watch out. There's a good left hand, the best right that we've seen. Foreman pushes down on the head of Norton. Right hand to the kidney thrown by the champ. Light left hand taken. Wild right hand. Another left hand taken on the gloves by Norton. Norton scores with a left hand to the side of Foreman's head. Left hand miss. And left jab in the face of Foreman. Foreman is not a great boxer. He's a great puncher, though. Norton is a good boxer. Now watch Foreman try to cut off Norton in the corners, but Norton is working the left jab much better as he slips a punch and out of that corner. Norton tries the jab. Foreman holds those hands up and tries to push. No damage done there. Foreman pushed that away. Oh, good right hand on the left-hand side of the face of Norton. Norton is a bit stunned as Foreman is teeing off, and it looks like Norton has really been staggered as he went up against the rope. The referee is giving it the count. Yes, he'll have to take the 8 count. Okay, 7-8, and here we go as Foreman comes banging on in the second round. Norton goes down again, a left hand on the side of the head. His legs are rubbery as a left hand goes to the side of his head, a right uppercut, a left jab, and a vicious left sends Norton crumbling to the canvas for the second time. Norton is in Queersville. He doesn't know where he is. It's up to 5, 6. I don't know if Norton can make it. It might be all over right here. It's up to 9, 10. All over, and it is all over. George Foreman retains the heavyweight championship in the world. Tell me about that fight. I'm going to retire George Foreman. He's too slow. He can't hit me with that stuff. I'm a professional. Turn around and face that camera over there, Ali. They want to hear about you and talk to you around the world. He hit Ken Norton just like he do all his opponents. Caught him early. I mean, he is hard, but if a man can stay out of the way for 5 rounds, stick him, move, stay out of range, be in good shape, he'll retire George Foreman. This man depends on getting this man in the first 1 or 2 rounds. If he don't do that, he's frustrated. Stick him with left jabs and right crosses. Tie him up and box him, and you'll retire him. Gnarly. My bonus man is going to whoop George Foreman, and I'm going to whoop him of all places in Africa, in the Congo, where the Lumumba boys are. Gnarly, now that you have your cool about you and you're calmed down at this point, I want you to answer this question. How could that man go 24 rounds with you and only 2 with the heavyweight champion of the world? Because George Foreman is not as good of a fighter scientific as I am, but I admit he's stronger and he hit harder. I'm not a hard puncher. I'm not known for being a hard puncher. I fought many men like Floyd Patterson, Zora Foley, George Fowler, who are stronger than I am. Many I couldn't knock out, Sonny Liston. But I'll tell you this, boxing ability, speed, whooping him on points for the distance if necessary. Then I'll whoop him. Well, fighting in your home territory, you couldn't be any happier the way this is coming up in September. Why would you call Africa my home territory? You've been telling me that for 10 years. That's right, and if you come over there talking like that, we'll cook you. That's it for Muhammad Ali. If I go over to the Congo, and I'll probably be there, I'm going to get cooked. Foreman a maintenant une impressionnante fiche de 40 victoires en 40 combats, dont 37 par knockout. Il a détruit les 2 seuls hommes qui sont parvenus à battre Mohamed Ali. Rien ne peut l'arrêter. On ne voit personne en mesure de le défier et qui pourrait réussir à l'ébranler. Même pas Mohamed Ali, qui lui est parvenu difficilement à prendre sa revanche sur Frazier et Norton. Et pourtant... Le 30 octobre 1974, George Foreman met son titre en jeu contre Mohamed Ali. Ali jure qu'il va battre Foreman, qui n'a aucun talent. Il promet de danser pendant toute la durée du combat. Malgré toutes ces affirmations, le monde de la boxe s'entend sur un point.
Ali n'a guère de chance de battre George Foreman, qui peut détruire un adversaire d'un seul coup de poing. Ali a maintenant 32 ans. Il a perdu sa force de frappe. Il ne gagne plus par knockout, mais souvent au poing lors de longs combats. Foreman n'a que 24 ans. C'est une montagne de muscles. Il est dans la force de l'âge. Personne ne mise sur Ali lors d'un tel combat. Dès le premier round, Ali va faire face à Foreman au centre du ring. Il ne cherchera pas à fuir. Il va asséner 5 directs du droit à Foreman devant une foule déchaînée. Tout le monde veut voir Ali reprendre sa couronne. Foreman est surpris, mais demeure solide au centre du ring. Il parvient à atteindre Ali au corps, mais jamais au visage. Ce premier round appartient à Ali. La suite du combat est endiablée. Foreman est résolument à la tâche. Il assène de terrifiants coups à Ali au corps. Ali continue à se protéger le visage, endurant le supplice des coups de Foreman. À chaque round, Ali parvient toujours à loger 4 à 5 bons directs au visage de son adversaire. Ali ne danse pas comme il l'avait annoncé. Il se sert très peu de son jab. Jusqu'au 7e round, le combat est toujours d'une intensité incroyable. Pour la première fois, George Foreman a devant lui un adversaire qui l'amène au-delà de 5 rounds. Ali a une stratégie: laisser Foreman s'épuiser et espérer en finir plus tard dans le combat. Foreman tombe dans le piège. Il agresse constamment Ali, qui s'adosse aux cordes. Foreman s'épuise en donnant sans cesse des coups aux cordes d'Ali. Ali parvient à le frapper solidement au visage. On se rend compte que dès le 6e round, les coups de Foreman commencent à être moins précis. Ali résiste et même s'il frôle la catastrophe à quelques reprises, il parvient à déstabiliser Foreman. Après 7 rounds, Foreman a le visage enflé. Il a reçu pas moins de 40 directs au visage. Ali, de son côté, a souffert. Il a reçu des dizaines de coups au corps. Le résultat de ce combat est incertain. Mais chose certaine, le public est captivé et n'en croit pas ses yeux de voir Mohamed Ali tenir tête à George Foreman. Au début du 8e round, Ali atteint solidement Foreman avec encore 5 droites. Mais Ali est patient. Il ne cherche pas le grand coup immédiatement. Après avoir atteint Foreman, il se replie et se remet en défensive, laissant Foreman le marteler au corps et surtout s'épuiser. Alors qu'il ne reste que 25 secondes au round, Ali, enfermé dans un coin, va asséner une combinaison de 8 coups à la tête de Foreman, qui sous les acclamations de la foule va s'écrouler pour la première fois de sa carrière au tapis. Il ne pourra se relever à temps. Le combat est terminé. Mohamed Ali vient d'accomplir l'improbable. Il parvient à reprendre sa couronne 7 ans après l'avoir perdue par une décision de la justice. Cette victoire est la plus grande de toute sa carrière. Il a envoyé au tapis celui qui détruisait tout sur son passage.
Ce combat, surnommé The Rumble of the Jungle, sera l'un des combats les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Foreman, de son propre aveu, aura du mal à se remettre de cette défaite. Il dira même des années plus tard qu'il avait rencontré un boxeur meilleur que lui, qu'il avait eu avec son intelligence. Foreman can deliver at any time. This man is devastating, to say the least. These punches are not at this particular time. Try to pull a sneaky right hand on Ali. Ali hanging on, getting away with it. Getting away with it. The left hand taken on the side of Ali's cheek. The left hook again on the side of the gloves. Right hand by Foreman was not effective. The right uppercut did bounce the head a little bit. His punches will not hurt Ali. Ali just takes him. Protecting his face at all times, does Ali. Foreman throwing more punches now. Maybe this could be the tactic of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he worked over the shoulder of Foreman. La suite de la carrière de Mohamed Ali se poursuivra jusqu'en 1981. Un troisième combat contre Joe Frazier aura lieu le 1er octobre 1975. Ce combat aura moins d'intérêt. Ali remportera ce dur combat. Frazier, le visage enflé, ne parvient pas à se présenter pour le 15e round. Le 15 février 1978, à la surprise générale, Ali perdra au point contre Leon Spinks, mais reprendra sa couronne lors du combat revanche du 15 septembre. Ali se fait vieux, il annonce sa retraite, mais devant une offre qu'il ne peut refuser, il accepte de remettre les gants contre le champion du moment, Larry Holmes, le 2 octobre 1980. Ali est dominé pendant 10 rondes et ne se présentera pas pour le 11e round. George Foreman en personne lui avait déconseillé d'accepter ce combat. Holmes était jeune et puissant. Mais Ali, devant l'offre importante devant lui, accepta tout de même ce combat. Le 11 décembre 1981 sera le dernier combat du Greatest, une défaite contre Trevor Burbick. Mohamed Ali est décédé le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans. Dès 1984, on lui diagnostiqua la maladie de Parkinson qui va le faire souffrir pendant 32 ans. Mohamed Ali a été l'idole d'un peuple. Il captivait les foules. Ses idées politiques lui ont coûté très cher, mais il est resté le même. On dit de lui qu'il était le boxeur le plus intelligent face à des adversaires parfois plus puissants que lui. Il pouvait déstabiliser un adversaire avant un combat en le narguant. Sur le ring, il donnait le spectacle parfois avec des pitreries, mais personne ne pourra mettre en doute le courage de cet homme. Il a participé à des combats de légende. Si on qualifie ces combats de légende, c'est parce que Mohamed Ali en faisait partie.
Mohamed Ali était unique. Jamais un autre boxeur n'aura autant captivé que lui. Il disait « I'm the greatest, je suis le plus grand ».